Salut tout le monde! Bonjour à tous! C'est Jordan et je suis avec... Joël le papa! Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de pétanque. Bah oui, il fait soleil, hein, le beau temps, le ciel bleu, et il manque que le pastis, et il est 11h du matin, il n'y a pas le pastis, donc c'est pas normal de faire de la pétanque, il fait chaud, on a soif. Maintenant on tente le carreau. What kind of a feeling am I starting to feel when I want you? Ah oui! Ah oui! À mon tour. You so, why are you so cold? When I'm around you, I want to let go. Lost in your eyes when we're moving too close. And the love we found got me upside down. Regarde un peu, Jordan, comment on fait un carreau à la pétanque. Regarde. Allez. Regarde. On prend de la graine. Regarde les carreaux là. La boule du carreau. Presque le carreau là. Oh, quel carreau! Là, je le tourne. Et maintenant, c'est le concours de tir. Oui. Qu'est-ce que c'est le concours de tir, Joël? Pour sortir la boule, il ne faut pas que la boule soit en dehors du cercle. Et si on sort la boule, on a un point. Si on reste au carreau, on a trois points. Donc on a trois essais chacun pour 6 mètres, 9 mètres et 12 mètres. On commence par 6 mètres. Joël et son magnifique polo rose qui débutent. Un point pour un point. Non, avant. Beaucoup avant. Non, tu ne triches pas un peu là, non? Un point pour mon père, à moi de jouer. Donc là, vous voyez, j'ai fait avant le cercle,
Donc ça ne compte pas, malheureusement. Un point pour moi. Allez. Yes. Ah, deux points. Yes, deux points pour moi. Ah. On enlève la boule des 6 mètres et on attaque le 9 mètres. Ah, c'est bien intéressant. Oh, joli, magnifique. Ouais. Oh ouais. Oh là là, deux points. Ouais. Allez, hein. Ouais. Attends, je me reconcentre là. Attends, et oh. Ça demande un effort violent, ça. Pas de passif, y'a rien. Deux sur trois. Trois-deux pour toi. 3-2 pour mon père. À moi de jouer. Je dois mettre au moins un tir bon pour égaliser. Elle a tapé avant le cercle. Je peux pas te le donner, un mètre devant. Je vais vérifier la marque. Ah, je les ai eu les deux fois, mais je suis tombé avant le cercle, du coup, voilà quoi. Oh non, nul, voilà, je fais un zéro pointé. On a enlevé la boule des 9 mètres. Et la 12 mètres, là, ça devient très très compliqué. Parce qu'on a l'impression que c'est très très loin. 3-2 pour mon père, c'est parti, tire à 12 mètres. On a mis 12 mètres. Hein. Oh, dommage. Oh, la dernière, elle est passée toute proche. À mon tour de jouer, du coup toujours 3-2 pour mon père. Je dois en mettre au moins une pour égaliser. J'ai enlevé, mais je suis pas plein fer, je suis à la raspaille comme les nuls. Oh yes! Ah non, c'est la mauvaise. Un petit tir technique. On va déjà voir la première boule. Il y a trois boules qui sont alignées dans un cercle de 50 cm. On va déjà toucher la première boule sans toucher les deux autres. Après, deuxième série de trois tirs, on touchera celle du milieu. Et ouais. Troisième série de trois tirs, on touchera celle du fond. Et on les replace à chaque fois. Et on les replace à chaque fois, bien sûr. Oh là 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 là, d'accord. C'est technique, ça. Hein. Donc la première. 3-7 pour la première, sans toucher les deux autres. Dommage, hein. Et c'est la plus dure, celle du milieu. Ouais, c'est la plus dure et je l'ai pas eu quand il fallait. Mais j'ai encore 2 essais, j'ai encore pas perdu. Tu t'es fait piquer par une abeille? Je sais pas, j'ai une bête qui m'est tombée dessus. Il y a Jordan qui lutte pour me battre et qui lutte contre les abeilles. Allez, mon père en a mis qu'une. Il m'a rien montré. 4-2 pour lui pour l'instant. Et j'avais fait un carreau en plus, hein? Oui, mais t'avais pas fait. Là, même cette 10 millions, j'aurais pas pu t'en donner. Allez, arrête, carreau, ça compte double. Bah non, ça compte rien du tout. Merde, c'est la mauvaise. Raté, les trois ratés. Celle bon, du milieu, toute seule. J'ai raté mes trois boules. Mon père mène toujours 4-2. Celle du milieu. Ça fait sortir du rond. Ah, elle est sortie du rond, ça compte. Regarde à la caméra. 1-5-2. Oh, t'es en finesse, celle-là. Mon père prend le large, il mène 5-2, à moi de jouer.
Nous sommes dans un magnifique endroit où le soleil est au rendez-vous, au bord d'un petit étang. Comme je vous le disais tout à l'heure, il manque que le pastis ou la pression. Plus de deux boules, c'est parti pour un tour. Celle du fond toute seule, à chaque fois que j'ai la mauvaise, ça va commencer à m'énerver ce truc. Allez, zéro pointé pour mon père, à moi de jouer maintenant. Allez, 5 fois. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mon père a transpiré. Mon Dieu, c'est fatiguant, c'est fatiguant la pétanque. Il n'a même pas à boire. Il a transpiré. Ça m'énerve. Je m'en vite aller chercher une petite pression quelque part. En tout cas, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Avec mon père, on en fera quelques-unes bientôt avec mon père. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout. À bientôt. Et puis, portez-vous bien. Ciao. Ciao.